Oh, salut, c'est Doudou Masta sur RFI France 24 dans l'émission Légende Urbaine avec ma poteau La Jus. Oh, truc de fou, truc de dingue, truc de psychopathe, je vais vous raconter une histoire avec La Jus, un truc de malade. Un soir, on est arrivé, on a été... On va pas raconter ces histoires. Tu peux dire avec Juliette Chiévet, t'as vu? Parce que les gens savent pas qui est La Jus. Mais non, pour moi, la selle, c'est La Jus. La Jus. Et tu sais pourquoi La Jus? La jugulaire. La jugulaire. On va pas raconter mes dossiers. Je n'ai pas de dossier. D'ailleurs, moi, je suis irréprochable. On va raconter ces dossiers. Ça, légende. Calme-toi, Doudou. Moi, je racontais le jour où t'étais au Brésil, tout ça. Oh, wow, non, tranquille. Les gens disent, ben avec Doudou Masta, moi, les dossiers, je vais les sortir. C'est ça, mon job. Toi, tu sors aucun dossier. P. De toute façon, on fait un montage. P. RFI, France 24, présente... Hello la famille, bienvenue dans Légendes Urbaines, l'émission faite par nous, pour tous, de RFI et France 24. Si je devais décrire notre invité du jour en une citation, je dirais « Le temps ne compte pas pour ceux qui l'ignorent ». Et pourtant, comment faire fi du temps qui va si bien à notre hôte du jour? En effet, avec lui... La route est longue, 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 longue. Véritable incarnation du nom de l'émission pour avoir été, entre autres, avec son groupe Timide et Sans Complexe, parmi les tout premiers rappeurs de France. Oui, sacrée équipe originaire du 9-4 qui a pour toujours marqué l'histoire du hip-hop grâce à des titres cultes sortis en 92 tels que... Dans le ghetto. Ah ouais, ils étaient pas là pour rigoler hein, à l'époque, hein, dans le rap game, c'était pas tout à fait comme maintenant, c'était une autre époque quoi. Ça partait même parfois en menace. Ou en mode... Je te braque même pour TikTok. Bonne ambiance. Mais que voulez-vous? C'était la vie de Tess. La vie de Tess, véritable fer de lance de la musique urbaine. Il lance très rapidement, aux côtés du légendaire DJ Cut Killer, sa carrière solo. Et encore une fois, il marque son temps. Pour de vrai, je dirais même que c'est... un truc de fou, au point où il enchaîne classique sur classique et fait résonner sa voix d'un autre monde dans les oreilles des aficionados du genre. Toujours franc et direct, il n'a jamais hésité à rappeler. Nous raconte-toi ta vie, nous raconte-toi tes conneries, nous raconte-toi que c'est nous, c'est fait ça, on s'en bat. Pourquoi? Eh bien, simplement, parce que pour lui, l'essentiel, c'est le... Retour de la sincérité au bon sens. Valeur fondamentale. Alors, déterminé à ne... pas finir comme un animal dans un bocal. Souhaitant de toutes ses forces... quelque chose qui corresponde à une vie potable ou agréable comme on en lit dans les fables. Il entreprend et devient même coproducteur d'un collectif et label nommé Bougotop. Et comme, encore une fois, cet homme ambitieux veut toujours aller plus loin, faire avancer, un beau jour, il finit par dire à la musique « Ciao et sans regret » pour se lancer dans le cinéma. Avec lui, rien ne semble impossible. À l'image de la citation de Saint-Exupéry, « Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité », il nous offre son remix personnel. « Je fais des rêves, boy, je crois, je m'imagine tout ce que tu crois. » Ce que je vois se transforme en rêve, le reçoit. Je fais des rêves, boy. Même le jour, ça m'arrive des fois. Je fais des rêves, boy. Trop beau, faut que je les partage avec toi. Et voilà la fiction transformée en réalité à nouveau. Car il peut aujourd'hui se vanter d'avoir tourné dans une bonne trentaine de films et séries. Et c'est justement de ce parcours fascinant et inspirant que nous allons évoquer et dont nous allons parler aujourd'hui. Comme dans Elon 2, il en reste un et les autres gerbes. Ouais, mais attention, vous n'êtes pas au bout de vos surprises, car cet homme qui semble ne pas avoir d'âge se fout royalement des titres de noblesse d'anciens ou de vieux sages. Je dirais même qu'il est aux antipodes des donneurs de leçons qui bien souvent s'avèrent être bien moins légitimes qu'ils ne le prétendent, à bon entendeur. C'est vrai, après tout. Quand je raconte cette histoire, ça te parle quand je t'en parle, c'est qu'après... on est tous des mômes qui grandissent. Pour terminer, j'aimerais que vous sachiez que l'émission d'aujourd'hui a un goût très 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 particulier à mon cœur, car notre invité a certainement été l'une des premières personnes à me faire confiance, à croire en moi, alors que je n'avais même pas 18 ans, comme on dit chez nous. Eh bien mon frère, on se sait. Alors comme il est évident que pour savoir où l'on va,
Il faut savoir d'où l'on vient. Je ne peux m'empêcher d'envoyer un énorme big up à Boris, Mazé, José, alias Oji Blad, Joss, alias Kiji Kendall, Diedon, Seka, Dikodjo, alias Mamar. Les gars, je vous aime, ok? Pour toujours, à jamais, messieurs, dames, la famille, juste pour vous, dans les studios de RFI France 24, la légende Doudou Masta. Coute ça! Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leur légende. Leur légende urbaine. Des projets de barge pour que les larves explosent. Comme beaucoup de jeunes, goûtent à tout, touchent à tout. Arnaque, vol, drogue, deal, saoul, empruntent les chemins banals. Des fois, une banlieue nique le tout. Attaque à main armée en haut lieu, trafic d'armes, de haches, de cam, un droit et fine lame. Connu de Paris jusqu'à Dame. Il en aura fêté des Noëls au poste. Doudou Masta dans les studios de Légendes Urbaines. Doudou, bienvenue, comment vas-tu? Ça va et toi, Juliette? Ça va? Oh là là, mais quel édito là, tu m'as... Waouh! Fou, virée, tu m'as fait plonger très très loin dans les souvenirs, dans ce que j'ai fait dans ma vie, dans mes débuts dans le rap. C'est très émouvant. Écoute, c'était un plaisir, même pour moi, de me replonger, parce que l'air de rien, si je me suis replongé dans ma vie aussi et dans partie. Ma découverte, une partie de ma vie, c'est vrai, et à cette époque où j'ai découvert le rap, notamment quand on a passé l'extrait tout à l'heure du Feu dans le ghetto de Timid et Sans Complexe. D'ailleurs, avant de parler de ton actualité qui est hyper riche, revenons justement sur ces débuts-là, parce qu'ils sont quand même assez incroyables. Je pèse mes mots quand je dis que tu fais partie des premiers rappeurs en France, même si t'aimes pas regarder dans le rétroviseur et que tu regardes toujours l'avenir. C'est bien aussi quand même de connaître ton histoire parce qu'elle n'est pas négligeable et tu as ouvert des portes à énormément de gens et en tout cas tu as contribué largement à faire exister ce style musical. Tu es originaire du Mali, tu as grandi à Vitry, en banlieue parisienne, banlieue sud, banlieue assez chaude et haute en couleurs. Moi j'ai envie de dire banlieue rude plutôt que banlieue sud. Tu vois, oui, banlieue rude, c'est vrai. c'est vrai, Vitry. Tu te lances dans le rap, en fait. Je crois que tes premières apparitions étaient sur Radio Nova en 88 ou 89, aux côtés de Dynasty. Alors, c'est même plutôt que ça. C'est plutôt que ça, en fait, parce que ma première apparition sur Radio Nova, j'ai 14 ans, 14-15 ans. Ouais. Et donc, on doit être en 85, 86. Comment tu te retrouves à aller freestyler à Radio Nova? Comment tu découvres le rap, d'ailleurs? Alors... Je découvre le rap à Vitry parce que je suis curieux. Je suis curieux. Ça danse d'abord. Je découvre le rap par la danse d'abord, dans un premier temps, avec tout un collectif à Vitry qui s'appelle les Atomic Breakers. Je découvre avant eux, mais eux m'emmènent à connaître encore un peu plus, à m'y intéresser plus profondément. En l'occurrence, les Atomic, c'est Sully B, Ronald. Ils deviendront par la suite les Little MC. On a un groupe, on danse. Et très vite, moi, dans ce groupe, j'ai envie de rapper. J'ai plus envie de danser. Très vite, je m'aperçois que déjà, dans la danse, je suis pas le meilleur. Il y a Sully, il y a l'autre, ils sont super forts. Je me dis, pour tirer mon épingle du jeu, peut-être qu'il faudrait que il y a le rap qui arrive. J'entends des mecs qui rappent en français. J'entends Johnny Go Destroyman, j'entends Lionel D, j'entends Poupa Leslie, j'entends des Pablo Master. C'est un peu un mélange de tout que j'entends. Parce qu'en plus, c'est ça. Ta spécialité, c'était un peu la spécialité de Vitry, c'est que c'était une ville aussi, parce que qui était très rap, mais très dancehall, très raga. Exactement. Aussi. Contrairement aux autres banlieues parisiennes, en fait. Ouais. Et moi, très longtemps, j'ai hésité entre le dancehall et le rap, en fait. J'ai penché pour le rap parce que c'était vraiment le nouveau truc. Le truc qui appartenait à ma génération. Le dancehall, ça appartenait aux générations un peu plus vieilles que moi. Donc dans l'absolu, je leur ai laissé leur truc en me disant, je vais quand même m'y intéresser parce que je kiffe et que j'avais comme artiste absolu dans ma tête Bob Marley. Donc du coup, j'ai dit, je vais essayer de faire un remix entre tout ça, quoi. M'inspirer de Bob Marley pour écrire du rap, quoi. Et je me mets à écrire, je me mets à faire du rap et très vite, je fais des petite représentation avec les Atomic Breakers et les Actuelles Forces. Et on fait des petites tournées, tout ça. Et là, je me dis, je me lance dans le rap. Et dans cette
évolution de recherche de qui je suis, qu'est-ce que je veux. J'entends aussi à Vitry, il y a un autre rappeur qui s'appelle EGM, qui a été invité par un autre rappeur qui s'appelle Lionel D à Radio Nova pour rapper, quoi. Et je me dis, mais comment ça, t'as été invité? J'ai pas et été moi, invité. Et moi, j'ai pas été invité. J'ai pas été, moi. Je t'entends à la radio, tout le monde entend tes trucs. Et il me dit, écoute, t'inquiète pas, moi, je vais parler de toi. Je lui ai dit, un autre rappeur, il s'appelle Doudou, il rappe super bien. Donc, si tu veux, la semaine prochaine, on y va, quoi. Ouais. Prépare-toi, écris tout, machin. Et donc j'écris. Ta-da-da. Et à cette époque-là, j'étais avec un mec qui s'appelait Pascal Grandbin et j'écrivais avec lui, en fait. C'est le grand frère d'un des gars de différents types, d'ailleurs, mm-hmm. de Manuquet, Jason. Et, Manuquet qui a sorti un bouquin, d'ailleurs, dont on parlera bientôt. Big up, Manuquet, big up exactement. Et donc, je m'entraîne avec lui, j'écris toute la semaine pour pouvoir arriver prêt à Radio Nova. Quand j'arrive là-bas... il m'avait présenté comme étant un petit Malien qui rappait en français et en malien, donc j'ai été obligé de faire en bambara, ouais. Exactement, j'ai adapté un texte en bambara, un petit peu d'espagnol, un petit peu de tout, et je suis parti là-bas avec mes 4-5 textes. Et tu parlais de quoi à l'époque, quand t'avais 15 ans finalement? Alors j'avais fait un texte parce que c'était l'époque des Zoulous parties, tout ça, et j'avais fait un morceau qui s'appelait T'es fou mec. Ce morceau, il parlait de dépouillage. Donc, je parlais de ce que je vivais, quoi, tout simplement, de dépouillage et d'une mauvaise histoire de dépouillage, en fait, où ça partait, où tous mes amis étaient partis en prison parce qu'ils avaient fait une connerie de dépouiller dans divers endroits et se sont retrouvés dans cette galère. Donc, moi, j'ai raconté cette histoire, en fait. Ce morceau s'appelait « T'es fou, mec ». Et je fais mon morceau, je fais celui-là, plus d'autres textes que je me rappelle plus vraiment, quoi. Je fais le texte en bambara. Ouais. Et genre une semaine plus tard, je me balade dans le RER, je sais plus, je monte sur Paris, et je vois des jeunes qui chantent mon morceau, en fait. Qui chantent, t'as entendu à Nova? Parce qu'à l'époque, il y avait des cassettes qui tournaient. Regarde la cassette, écoute. Et je m'entends, quoi. Je dis, putain, les mecs, c'est... Et j'ai envie de leur dire, c'est moi, tu vois. Et je leur dis pas quand même, et je me dis, putain, c'est un délire quand même. J'ai fait un texte et tout, et les gens, ils le chantent. Je vais le dire à mon grand frère, et mon grand frère me dit, ah ouais, bah c'est que... C'est qu'il y a un truc à faire. T'as un truc fait. Et tu montes ton groupe, finalement. Pas tout de suite. Je continue de rapper, je me mets avec le mouvement authentique, les New Generation MC, tout ça. Je suis avec un groupe à l'époque qui s'appelle MIC, un groupe de Créteil avec Stalgy. Poptronix et un autre mec, je me rappelle plus de son nom, et Cool D. Et avec ce groupe, en fait, je rencontre Joël à Radio Nova d'abord, et on est un petit peu infiltré dans ce groupe. On fait les bacs, on fait un petit peu les enfants terribles de ce groupe, parce qu'ils étaient vraiment plus âgés que nous, les gars. Et on trouve pas notre place, quoi. On se dit, putain, mais ils nous laissent pas notre place, quoi. On fait des morceaux au chat, ça s'appelait l'association là-bas, et ils nous laissent pas les faire, en fait. Donc on dit, bon, bah, on va laisser tomber ce groupe, et on va monter un groupe, quoi. Et à l'époque, tous les groupes s'appelaient The Force, The New Force, The Truc Machin. The Super Force. The Super Machin. The Mega Super The Force. Méga Machin, Truc Machin, des noms américanisés, quoi, tu vois. Vas-y, viens, on trouve un nom, nous, français, quoi. Un truc français. Viens, on trouve sur nos deux particularités. Toi, t'es... En fait, à l'époque, c'est Joël qui est sans complexe, et moi qui suis plus ou moins introverti, qui parle pas vraiment. J'ai la mentale de Vitry, en fait. J'ai la mentale du gars de Vitry de cité qui parle pas beaucoup, qui a pas trop envie de s'afficher, de dire trop de choses. Il a envie de garder sa discrétion, quoi. Donc du coup, on se dit que moi je suis timide et mon pote il est sans complexe et on se dit voilà, c'est ce nom-là qu'on va choisir, quoi. En corrélation aussi avec le film qu'on voit à la télé à l'époque, qui était une série qui s'appelait Timide et sans complexe. Tu sais qu'on dit souvent que la mafia Quinfri a contribué largement à faire émerger le vrai rap français. C'est-à-dire, quand je dis vrai rap français, il n'y a pas de rap français mieux qu'un autre. Mais c'est vrai qu'à l'époque, beaucoup d'entre eux étaient, je pense à NTM, à IAM, et ils étaient extrêmement influencés par les Américains. Et c'est vrai que la mafia Quinfri, quand elle est arrivée, d'un seul coup, c'était vraiment le rap made in France. Mais en réalité, Timide et Sans Complexe ont réellement été les premiers de cette lignée. En mode, ok, nous, on n'a pas de dents en or, on n'est pas en baguille, on est vraiment en rap, en mode rap terre-terre, comme on le dit, quoi. Exactement. C'est vraiment vous qui êtes finalement les précurseurs dans ce style-là. C'était
quand même une réalité. Alors, c'est sûr que dans le rap français, d'une façon générale, on parlait évidemment de la situation complexe des banlieues en France et des injustices. Mais il y avait vraiment cette touche du 9-4, ce qui est devenu en plus une touche assez légendaire, en fait, finalement, dans le rap. Mais en fait, nous, on s'est tout de suite identifié à nos problèmes. Nos problèmes, et on a voulu tout de suite avoir une identité dans le rap qui n'est pas forcément à connotation américaine. À notre époque, il y avait du hip-hop, du rap Quinry, du rap en français, mais il n'y avait pas encore de rap français. Tu vois, c'est ça. Avec du rap en français, du rap français, voilà. Très. Et pas le rap français. Le rap français qui veut, avec son propre style, sa propre manière, ses propres problèmes, sa problématique, son propre tone style, comme on l'appelait à l'époque, donc sa manière d'emmener son flow, en fait, tu vois. Avant ça, c'était plutôt pompé vers les Américains, quoi. Et jusque nous, quand on arrive, on se dit, on s'en bat les couilles des Américains, en fait. C'est ça, mais je me souviens, le truc c'était, vas-y, on n'est pas des Zoulous. On n'est pas des Zoulous, on n'est pas des Américains, t'as vu, on va pas se la faire américaine. Nous, on a des problèmes ici, là. Moi, j'ai envie de m'inspirer de ce qui est écrit dans la cage d'escalier, quoi, tu vois. Mm-hmm. Dans ma cage d'escalier, quand je descendais au combattant à Vitry, il y avait écrit putain de planète, je brûle la police, je brûle la prison, fuck la police. Que des trucs comme ça, des slogans, quoi, tu vois. Mm-hmm. J'ai dit, moi, c'est ça que j'ai envie de dire, moi. En fait, j'ai envie de parler des messages qu'il y a sur les murs de ma cage d'escalier, quoi, en fait. Et pas parler de Watts et de la guerre des gangs, voilà, des Crips, des Bloods. Me la raconter qu'un riz, faire semblant que je suis un Américain, ça m'intéresse pas, quoi, en fait. Ça m'intéresse pas du tout. J'ai envie de parler, et j'ai envie aussi d'imposer mon argot. Mm. J'ai envie d'imposer ma manière de parler. Mm-hmm. J'ai envie de parler aux gens de mon acabit qui ont pas de personne qui les représente. Mm-hmm. Qui ont pas de personne qui leur parle. J'ai envie d'éduquer les miens. J'ai envie de leur expliquer des fois que la politique c'est de la merde, j'ai envie de leur expliquer que faut se relever, la planète, t'as vu, ils sont en train de nous foutre en l'air, nanana. J'ai envie de participer, mais vu que j'ai l'impression, en fait c'est pas vu que j'ai l'impression, dans ma tête je me dis on est mis à l'écart, on nous fait pas participer à la vie... À la vie sociale, vie politique, la vie... On nous exclut, donc moi j'ai envie de nous inclure, donc je fais des textes pour... Pour déjà montrer ma colère, pour montrer mon mécontentement et pour parler aux gens qui sont comme moi. T'as pas bougé, c'est incroyable. Je sais pas, on va en parler, qui est ton chirurgien esthétique, mais... J'en ai pas. Menteur. On va regarder une vidéo qui date d'il y a 30 piges. Et tu disais déjà ça. MC Doudou. Jean Didier. Je t'ai pas changé. Alors, si les cheveux un peu. Les cheveux. Et ma mêle Dog Sky. Sans oublier J-O-E-L. Yes. Big dédicace à J-O-E-L et à Adama. Peace. Timide parce que moi au départ j'étais plus timide que un mec qui s'éclate un peu partout comme maintenant. Et Joël, c'était plutôt le sang complexe qui va vers tout le monde, qui est sans vergogne et qui fait tout ce qu'il a envie dans n'importe quel moment et n'importe quelle circonstance, quoi. Maintenant, timide et sans complexe, ça a changé parce que Joël, il n'est plus là pour le moment, il va revenir. Et maintenant, je pourrais plus dire que c'est moi le sang complexe et Sylvain le timide, quoi. Joël et moi, on a commencé par Radio Nova, on a commencé par faire des petits... C'était radios, un extrait de Rapline. Timide et sans complexe. Est-ce que t'as changé? À part la coupe de cheveux, franchement, je trouve que tu t'en sors plutôt bien, Doudou. Ça fait quoi de revoir ces images? Gros big up à Olivier Cachin, d'ailleurs, à l'époque, Rapline, l'émission légendaire. Oh putain. Oh non, mais c'est ouf, quoi. C'est ouf. T'avais pas revu ces images depuis? T'avais pas... Après, je sais que t'aimes pas regarder dans le rétroviseur, ouais, encore une fois, donc... Je suis pas trop dans la mélancolie, moi, tu vois, mais j'avais pas revu... J'avais pas revu comme ça, quoi, en fait, non. Dernièrement, on m'en a parlé, ouais. On m'en a parlé, je crois qu'on m'a dit, ouais, il y a un truc qui tourne, t'as vu, t'as pas changé par rapport à ta truc, machin, et j'avais envie d'aller voir, mais je suis pas retourné. Ça m'arrive de réécouter cette époque de rap, en fait, mm-hmm. par rapport aux albums, mais pas de regarder les images, en fait. Mm-hmm. Les images, je les laisse. Ok. Bon, bah écoute, nous on vous les donne en tout cas. Putain, on vous les donne. Ça date 30 piges. Voilà, Doudou. Particularité aussi importante, c'est que effectivement, tu en parles dans un titre qui est formidable qui s'appelle Ma vie de Tess. Vous étiez
vraiment dans la rue, en fait. Et vous étiez à la fois dans la musique, mais vraiment, vraiment dans la rue. Finalement, toi, tu t'en es comment dirais-je, sorti à partir du moment où, effectivement, t'as signé avec Cut Killer sur son label, Double H, légendaire, et que Cut t'a produit, finalement. Ouais. Mais très vite, en fait, toi, t'as su tirer tes épingles du jeu, en fait, à une époque où, finalement, le rap était signé avec Cut Killer. À l'époque, c'était signé avec une major, carrément, ouais, complètement, en fait. Ouais, complètement. Et comment cette connexion s'est faite et comment t'as pris conscience très vite, on parlera de la suite après, de la nécessité à faire du business et à se sécuriser dans ce game. Alors, moi déjà avec Cut Killer, je le connais depuis le début. Cut, mm-hmm. Depuis le début. Il était avec la AZB, il faisait des soirées, tout ça, machin. Donc très vite, dès que nous on a commencé à rapper avec Joël, on a rencontré Cut Killer et on allait chez lui s'entraîner, en fait. Mm-hmm. Donc Cut Killer, je le connais depuis que j'ai l'âge de 16 ans, quoi, tu vois. Mm-hmm. On a toujours été en connexion. On s'est un petit peu brouillé au tout début, dans genre 2-3 ans, et après on s'est retrouvé en bon soldat du son, quoi, mmh. tu vois. Moi, j'ai très vite pris la nécessité de faire du business avec la musique parce que c'était mon seul moyen de m'en sortir, en fait. Mmh. Moi, je sors d'une banlieue, comme je te disais, Vitry rude. Vitry, c'est rude, quoi, tu vois. Mmh. C'est la banlieue sud. C'est quelque chose de où tu sens que t'es très, très vite tiré vers le bas, quoi, en fait. Quand mmh. je dis tiré vers le bas, tout tourne autour des mauvaises choses, quoi, enfin, mm-hmm. entre guillemets, quoi, des mauvaises affaires, quoi. Donc tu te dis, bon, si je prends ce chemin-là, je sais où il va m'emmener. Mm-hmm. C'est sûr, de toutes les manières, je suis pas magicien, je suis pas... Comme dirait Kerry, la mort ou la prison, quatre murs ou quatre planches. Voilà, je suis pas Arsène Lupin, et moi je l'ai très vite réalisé, mm-hmm. ça. Je suis pas Arsène Lupin, je suis pas plus intelligent que les autres, même si je suis pas plus con non plus, tu mm-hmm. vois, je veux dire. Je me suis très très vite dit que ça, c'est on fonce dans le mur, quoi. Mm-hmm. Donc qu'est-ce que je fais? Je continue à foncer dans le mur ou je prends mes billes. En tout cas, je fais ce que j'ai à faire là-dedans. Je prends mes billes et j'investis dans autre chose, en fait. Mmh. J'investis dans autre chose. J'ai eu la chance d'avoir un grand frère, paix à son âme, il est plus aujourd'hui, qui m'a tout de suite aiguillé en me disant, si t'as du talent, fonce. Mmh. Si t'as un truc, fonce. Tous tes potes, là, ils ont rien, en fait. C'est pour ça qu'ils font ça. Toi, t'as un truc, t'as un talent, mais fonce. C'est une chance. C'est une chance, fonce. Il est d'ailleurs venu avec moi pour signer mon premier contrat. Alors lui, c'est un illettré, l'autre. Il connaissait rien du tout, juste pour faire le gros bonhomme. Tout le monde, je connais, tu vois. Ouais, mais ça met la pression sur les pourcentages. J'ai eu cette chance, en fait, d'être bien entouré, quoi. D'avoir aussi un père qui m'a toujours dit personne ne doit t'empêcher de rêver, quoi, et d'accomplir tes rêves. Si tu veux faire quelque chose dans ta vie, rêve-le. Commence à travailler le matin. Si tu dois faire un autre boulot, bah fais ton autre boulot, continue le soir et va te coucher en rêvant à ce truc-là. Un jour, si tu continues dans ce rythme-là, t'arriveras à obtenir tes rêves. Tes parents ont validé quand tu rappais, coucou Fanta. Fanta. T'imagines bien qu'à l'époque, les parents vont pas te dire amen, vas-y, va rapper, quoi. Tu vois, je veux dire, même déjà aujourd'hui, ça peut être difficile. Mm-hmm, bien sûr. Bah non. Surtout que moi, au départ, je suis bon sportif. J'ai mmh. le PSG qui vient à la maison pour me demander de partir. Mon père, il veut pas parce que je suis bon à l'école, mmh. parce que je suis bon à l'école, mais je suis aussi très hyperactif. Mmh. Je fais plein de conneries, tout ça, machin. Donc, ils ont besoin d'avoir l'œil sur moi, quoi. Donc, je lui dis, je fais du rap. Il dit, vas-y, fais ton rap si t'as envie, mais va à l'école, quoi. Mmh. Tant que tu continues à aller bien travailler à l'école, fais ce que tu veux, même. Prête-toi, vas-y. Vas-y, mais va à l'école, quoi, mmh. tu vois. Donc non, au départ, j'ai pas la bénédiction de mes parents, quoi, tu vois, pour faire du rap, quoi. C'est juste, à un moment donné, ça commence à le faire, tout ça, machin. Malheureusement, mon père décède. Mmh. J'ai 16 ans quand il décède. Et là, j'ai la colère, quoi. J'ai la colère de ouf. Ma mère, elle se dit, comment je vais les tenir, mes cinq garçons, t'as vu, ils ont des nerfs comme ça, machin. L'équipe, quoi, tu vois. Elle me dit, et moi, je lui dis, écoute, moi, t'as vu, l'école, ça me saoule, quoi. T'as vu, je veux faire du rap. Ma mère, dépitée, putain, du rap. Qu'est-ce qu'il me raconte, quoi. Donc moi, je viens au Mali, je t'amène du Mali, quoi, et tu veux faire du rap. Qu'est-ce que tu me racontes? Bon, écoute, elle m'a dit, tant que tu voles pas, tu fais pas de conneries, tant que tu me ramènes pas la police à la maison, vas-y, roule. Ah, mais du coup, avoir cette bénédiction-là, quand même, c'est important. C'est peut-être ça qui fait que, d'un seul coup, t'as toujours eu les pieds sur terre,
T'as toujours utilisé ta voix aussi, quand je dis ta voix d'un autre monde, je sais pas d'où elle sort, mais elle sort de quelque part, là, vraiment, tu vas... C'est la voix de mon père. Ouais, tu te retrouves à faire, des voix pour Fun Radio à l'époque, pour Universal, pour plein de voix de pub, etc. On va en reparler de ces voix, parce que ça va être... C'était un peu les prémices de ta seconde vie dans le cinéma, finalement. Ouais, exact. Et puis tu montes un collectif, c'est-à-dire que ça cartonne pour toi. Il y a le titre Trop Loin, entre autres, que tu fais pour ta fille Maëva, ouais. Qui est un énorme tube. Mais en parallèle, tu dis voilà, je vais quand même partager, entreprendre encore une fois. Et tu montes un collectif, un label avec un studio d'enregistrement ouvert 24h/24, accompagné de tes acolytes que j'ai cités tout à l'heure dans l'intro. Un collectif qui s'appelle Bougotop. Est-ce que cette idée finalement, parce que tout à l'heure, quand t'évoquais le fait que vous aviez plus ou moins fait partie, Joël et toi, d'un collectif, en fait, qui vous a pas trop calculé, qui ne vous a pas donné votre chance, est-ce qu'en fait, finalement, c'est ça aussi qui t'a donné envie de, bah, de toi, de créer un collectif et de donner la chance à plus d'une vingtaine d'artistes, quand même, à l'époque? C'est pas ça qui m'a donné envie, en vrai, dans l'absolu. Moi, j'ai toujours voulu partager, en fait. C'est le vrai terme, c'est ça. Mm-hmm. C'est partager. J'avais l'impression d'accomplir quelque chose et de voir plein de gens autour de moi me regardaient avec des grands yeux, me dire « Putain, tu vis notre rêve éveillé, putain, et nous, on n'y arrive pas, on peut rien faire, on balbutine, on surnage, on galère, quoi, tu vois. Qu'est-ce que tu peux faire pour nous ?» Et je me disais « Putain, alors, quand je faisais mes albums, attendez, un jour, je vais monter un truc. » Et un jour, en parlant avec José, avec Boris, Mazé, en les voyant super investis de vouloir faire des choses, tu vois, de monter des trucs, je dis « Vas-y, puis on monte un truc, alors. Allez, on monte un truc. Moi, j'ai envie, quoi. J'ai envie de partager mon succès, mon envie, mon expérience, ma passion. » Et à l'époque quand même, parce que c'est quand même important, jusqu'à aujourd'hui, il y a très très peu de rappeurs qui finalement montent leur propre label, investissent de l'argent. Je sais que vous avez investi beaucoup d'argent, en fait, énormément d'argent pour produire notamment cet album L'Antidote, et puis produire tous ces artistes et donner la chance à tous ces artistes. Ça a été un album, L'Antidote, qui a aussi marqué l'histoire, surtout l'histoire de l'indépendance, dans le rap. Et ça a marqué aussi un autre journaliste, une personne qui avait envie de te faire un petit coucou. Cadeau. Salut Juliette, salut Doudou, c'est Fred. Fred de Skyrock, Fred de Penetrap, Fred Musa tout court. Je suis content, évidemment, Juliette, que tu reçoives Doudou, parce que Doudou, c'est une voix, c'est un talent, c'est un comédien de doublage aussi très fort. Ça, je sais pas si vous en avez parlé, tout comme je sais pas si vous avez parlé encore dans l'interview du collectif Bougotop, parce que finalement, moi, Doudou, je l'ai découvert à cette époque avec toi, grâce à toi, Juliette. Hein, je me suis retrouvé, je crois que c'était à Pantin ou au Lila, dans une espèce de sombre arrière-cour, dans un studio avec plein de bandits, plein d'artistes, plein de fumée. C'était un moment juste irréel. J'allais écouter une compilation qui s'appelait Bougotop, où évidemment, il y avait Doudou dessus. Et j'avais une question pour Doudou à propos de cette époque, peut-être plus au moment du EP du 113, le fameux truc de fou, un morceau qu'on a joué ici à Skyrock, pas un morceau des plus tendres, avec la voix de Doudou Masta, tout le monde s'en souviendra, un truc de fou, truc de dingue, truc de psychopathe. La suite, je te la laisse faire, Doudou. J'avais une question, je voulais juste que tu nous racontes... est-ce que c'était aussi enfumé, la séance studio de ce morceau? Et quel souvenir tu as de ce moment de studio avec le 113 et évidemment, enfin, en tout cas, je pense, avec toute la mafia Quinfri de l'époque? J'aimerais vraiment avoir tous les détails de cet enregistrement, si tu t'en souviens. Voilà, je vous embrasse tous les deux et à très vite. Fred Musa, le légendaire de Skyrock, Planète Rap. Fred, merci. On t'embrasse fort. Doudou, je te laisse répondre à Fred. Big up, Fred, big up. Fred qui en plus, alors parenthèse, avant que tu répondes à sa question, c'est vrai, c'est l'un des rares journalistes, en plus très mainstream, à être venu dans le studio Bougotop. Et c'est vrai que le studio Bougotop, c'était quand même un petit bourbier. Hein, il fallait passer des couloirs comme ça, insalubres, avec des... Vraiment, ça faisait très très peur. Je crois que la première fois que j'y suis allée, je me suis dit, mais... Je reste en guet-apens. Tu m'étonnes, ouais, t'as mais l'impression d'être... Mais je n'ai pas d'argent. T'as l'impression d'être emmené. Et il était venu, il avait écouté tous les titres de ce double album avec beaucoup de respect. Et il avait donné la force qu'il avait pu donner. Donc un grand big up à lui, il ne faut jamais oublier les gens qui ont donné les choses. Et puis voilà, qu'est-ce que tu aurais à répondre justement sur ce fameux titre, donc Truc de fou. Beaucoup de gens disent oui, c'est...
C'est un titre du 113 en featuring avec toi, voilà, et le fameux, le classique « Je te braque même pour du toc ». Ouais, exact, ouais, tu m'étonnes. Comment s'est passé l'enregistrement de ce titre et qu'est-ce que tu auras à répondre à Fred ? En fait, 113, c'est des petites vitries, quoi, tu vois, c'est Karim, c'est AP, c'est Mokobé, que je connais depuis gamin, quoi. Je les ai vus grandir, surtout Mokobé, en fait, j'ai vu tout petit, tu vois. Rimka, je l'ai vu un peu plus tard, et AP un peu plus tard, tout ça, mais je les ai vus petits, quoi, en fait. Et ça gravitait autour de nous, Timide et Sans Complexe, surtout autour de mon pote Sky. Il gravitait autour de lui, Jacques Cartier, tout ça, machin, ils étaient pas loin, quoi. Et Sky, souvent, me parlait d'un petit groupe de Vitry, de Camille Group. Il me disait, bah, tu les connais, Doudou, nan, ils rappent bien, tout ça, nan. Ouais, vite fait, bon, bah, ok. Et un jour, je croise, d'abord, avant de croiser 113, je croise Ousni. Ousni qui me dit, putain, j'aimerais bien faire un morceau avec toi, tout ça. Donc, Rof, hein. Ouais, okay. Rof, ouais. J'aimerais bien, ouais, bah, à l'occasion, tout ça, bah, ok. Et là, après, je crois que je me balade sur Bastille, et je rencontre Rimka et AP, qui me disent, ouais, on aimerait trop faire un morceau avec Watt, franchement, tu veux pas faire un morceau avec nous? Je dis, bah ouais, pourquoi pas, et tout, mais maintenant. Comment ça, maintenant? Bah là, on est en studio, on est là, juste à côté, à Saint-Sébastien Froissart, viens. Je dis, mais viens quoi, on fait quoi? Ouais, on a une idée, on voudrait faire un morceau qui s'appelle Truc de fou. Voilà, tu viens, on écrit, on le fait, quoi. Et je crois qu'on est un vendredi soir ou un samedi soir. Moi, je suis sur Bastille, j'ai envie de faire la fête, quoi, tu vois. J'ai envie de m'éclater, je suis là, je suis déjà presque ambiancé, quoi. Après, je les regarde, je dis, vous êtes relous, les mecs, en fait. Ils me disent, ah, s'il te plaît. Bon, bah, ok. Allez, banco, on y va. On va au studio. Il nous fallait un peu de fume, un peu de tease, machin. Y a Mehdi qui est là. Il me propose des boucles, ça tourne, truc. Et moi, je m'arrête sur celle-là. Je dis, ouais, celle-là, elle est mortelle et tout. J'aime bien et tout. Il y a Manuke qui est là aussi. Non, j'aime bien. Et donc, voilà. Allez, chacun son stylo, chacun son papier. Et on commence à écrire, quoi. Et moi, je leur dis, c'est moi qui fais le refrain, c'est ça? Ouais, vas-y, c'est toi qui fais le refrain. Bah ouais, c'est toi l'invité, tout, machin. Ok. Je me penche sur le refrain, je veux un truc de fou, truc de dingue, truc de psychopathe, et j'écris. Blablabla. Et à un moment, je leur dis, je crois que j'ai écrit le refrain, c'est bon. Il me dit, ah ouais? Vas-y, fais-le. Et j'y vais là, balance le son et tout. Il balance le son et je fais le refrain, quoi. Je fais des trucs de fou, pas des beaux trucs de faux zoulou, des trucs. Ils me regardent tous comme ça, tout. Putain, vas-y, prends le micro. Donc je fais le truc et je me dis, c'est bon, je peux y aller. Il me dit, non, tu vas faire un couplet quand même. Je dis, parce que Doudou, quand ils veulent en soirée, hein, rien ne l'empêche, tu vois. Je confirme. Ah ouais, tu me connais en plus, t'as vu, ouais. Moi, quand j'étais, ouais, je te fais ton truc, après je me barre. Non, tu vas faire un couplet quand même, Doudou, vas-y, fais un couplet, s'il te plaît. Alors, un 12, un 16, ouais, un 16, allez, vas-y, j'écris mon truc. En plus, j'essaye de faire le plus vite possible pour me barrer, en fait, parce que j'ai envie d'aller danser, m'éclater, tout, machin. Mais je me prends au jeu. Quand j'écoute le couplet de Rimka et d'AP, je pète un câble. Il y a Mokoubé qui est là. Ils écrivent tout, c'est trop fort. Je kiffe tout, machin. Et là, du coup, je dis, maintenant, je vais rester plus longtemps. Et là, j'écris vraiment. Je me prends bien la tête sur le couplet. Là, j'écris et puis on fait ce morceau, quoi. Ce morceau qui devient légendaire, c'est ça qui est important. Parce que effectivement. Dans la vie, il n'y a pas de hasard, encore moins dans la musique. C'est un titre que tu fais au départ, entre avant d'aller en soirée, tu le speed pour... Et ça devient certainement le premier morceau vraiment gang qui finalement passe en radio, ouais, sur exact, Skyrock, ouais. Mais sur d'autres radios. Ça passe sur Fun Radio à l'époque, ouais. Il me semble même que ça passe sur Énergie. J'ai un doute sur Énergie, mais... Non, peut-être pas Énergie, mais Fun radio, ça passe. Et ça joue, alors que le morceau, il est super hardcore, donc... Ouais. Mais c'est Sky qui a influé, qui a poussé le truc, quoi. Et effectivement, comme quoi, tu vois, il faut... Faut toujours prendre les choses finalement au sérieux parce qu'on ne sait jamais là où, ouais, ça va. Exactement. Ça marche pour toi, t'as beaucoup au top, c'est de la prod, c'est beaucoup d'investissement, mais la musique ça fonctionne, toujours avec Cut Killer, t'envoies des titres. Tu pars même vers des envies un peu plus acoustiques, etc. Tu fais des titres avec Jérusalem Adja, avec Patrice, des titres internationaux.
Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as envie de switcher vers le cinéma? Alors, on parlait des voix. Tu avais déjà un petit côté acteur, parce que quand on fait des voix de pub, des voix de pub, simplement, il faut avoir quand même des qualités d'acteur, il faut savoir jouer. Du doublage aussi. J'ai fait pas mal de dessins animés, Arthur et les Minimoys, Moto. Mais ça, tu les avais fait, Madagascar. Ouais, mais ça, c'était à quelle époque du coup? Ah non, c'est la même époque, c'est après, c'est Bougotop, c'est l'époque. C'est à l'époque de Bougotop, c'était il y a une vingtaine d'années déjà, Madagascar. Alors, peut-être pas Madagascar. Mais en tout cas, Arthur et les Minimoys, oui. D'accord. J'ai fait ça, j'ai fait les Lascar aussi, en dessin animé. Bien sûr. Donc j'étais déjà, il y a plus d'une vingtaine d'années, sur des doublages. Et puis ensuite vient justement Madagascar 2. Pardon. Motomoto. S'il te plaît. Fais-moi Motomoto. Je les aime gros. Je les aime. Ah, oh. Salut. Tu m'as l'air. J'adore. Ma parole d'énorme. T'es venu avec toi ou c'est ton popotin? T'as la tchatch qui va avec le gabarit. Alors c'est toi, Motomoto. Un beau nom comme ça, tu le dis deux fois. C'est vrai qu'il est pas mal gros chou. À plus tard, mon cœur. Je te verrai de loin parce que t'es trop bombé. Alors là, Les aime pulpeuses. Ah là, purée, même moi, quand j'ai revu le truc, j'ai dit, ouais, lourd. Très très bien. Donc ça me fait tellement délirer de voir ce truc de Motomoto, l'hippopotame dragueur. J'ai fait aussi Vince Diesel dans Babylon AD, avec Mathieu Kassovitz. Et j'ai fait plein d'autres trucs, après des reportages animaliers, des trucs, différents trucs, tu vois, je veux dire. Mais c'est pas ça qui m'a emmené vers le cinéma, en vrai. Parce que quand même, c'est de l'acting, en fait. Quand tu fais ce genre de doublage, c'est du vrai acting. C'est vrai que souvent, les gens disent « Oh, t'as une voix, quelqu'un qui a une voix devrait faire des doublages, etc. » Mais c'est pas si simple que ça, en fait. Non, donc, c'est pas si simple C'est peut-être que ça. Tes premiers pas, quand même, dans le cinéma, l'air de rien. Oui et non. Moi, j'ai plus envie de dire que c'est le clip qui m'a emmené vers le cinéma, parce que ça t'aide à te canaliser devant la caméra, devant l'écran, à savoir qu'est-ce que tu donnes, comment tu le donnes, comment tu grimaces ou pas. Les interviews aussi m'ont emmené, comment tu te places, comment tu gères l'espace. C'est inconsciemment, cette école-là m'a appris à dominer, je sais pas, ou en tout cas à bien apprivoiser le cinéma, quoi. 2002, première expérience, Ennemi public, film qui ne sortira jamais, aux côtés d'en plus Richard Bourringer, je crois qu'il y a MC Jean Gabin, entre autres. Exactement, Dolores Chaplin. Ce film, finalement, tu nous en parleras tout à l'heure, ça sera à la fin, va ressortir en 2021, sous le nom d'une revanche à prendre. Exactement. Comment tu te retrouves aux côtés de ces stars, en fait, en tout cas Bourringer et Dolores Chaplin, c'est quand même pas rien. Comment tu te retrouves dans un film Charles avec... Charles Aznavour. Aznavour, c'est pas possible. Charles Aznavour, surtout pas oublier, c'est pour lui qu'on a insisté pour que ce film existe, quoi. C'est son dernier film, et il faut vraiment le préciser. Moi, je me retrouve dans cette aventure parce que au départ, je rencontre un réalisateur, scénariste qui s'appelle Kader, Kader Haïd. Et ce gars, en fait, on se lie d'amitié, mais on se lie d'amitié par rapport à la musique d'abord, dans un premier temps. Il a écouté mon album, il a beaucoup aimé, il me parle beaucoup d'un morceau, Des mondes qui grandissent. Il m'en parle beaucoup. Il me dit, ce morceau m'inspire, j'ai envie d'en faire une histoire. Super flatté, moi, ce morceau, c'est mon morceau, quoi. C'est vraiment le morceau qui, j'en parle, j'ai toujours la chair de poule, c'est une vraie ode pour mon frère, quoi. C'est une vraie dédicace à mon frère. Donc c'est vraiment quelque chose d'émotionnellement qui me touche profondément. Donc quand il me dit ça, il a tapé en plein cœur, quoi. Je lui dis, mais vas-y, mais carrément, même si, est-ce qu'on peut écrire ensemble, quoi? Et il me dit, oui, ouais, je vois ta plume, tout, je veux bien. Et le mec disparaît, en fait. Disparaît pendant un an, je le revois plus, je l'appelle tout, je le cherche, je le trouve plus. Donc je m'en occupe plus, je dis c'est du vent, il m'a raconté du vent, mais il revient un an après en me disant écoute, j'ai écrit. Là je suis vénère, je lui dis tu te fous de moi, t'as écrit quoi? Il me dit j'ai écrit tout le film. Mais t'as écrit tout le film, je t'ai dit je voulais écrire avec toi. Il me dit ouais, mais en fait j'ai été inspiré, j'avais envie d'écrire, je voulais pas te prendre la tête, je voulais pas rentrer dans un ouais, est-ce que t'as du temps ou pas, j'ai tout écrit, tout est là, mais maintenant ce que je te propose c'est de jouer. Et j'ai dit mais mec, moi c'est pas prévu ça, moi j'ai envie d'écrire, j'ai envie d'être scénariste plus que d'être comédien.
dit non, mais là, c'est mort. Le truc, c'est déjà écrit. C'est donc, fait, ouais. Moi, j'ai écrit. En plus, quand j'ai écrit, j'ai pensé à toi. Le rôle que j'ai là, bah, j'écris, c'est pour toi, quoi, en fait. Je l'ai écrit calqué sur toi. Et là, je me dis, non, mais t'es relou aussi. Moi, j'ai pas prévu de jouer. C'est pas mon truc, en fait. C'est pas mon truc de base. Et puis, j'y crois pas, moi, à l'époque, au cinéma. J'ai envie de le dire. Parce qu'à l'époque, on est dans les années 90, 2000, là, c'est un peu avant, du moins, ça est un peu l'aube de l'an 2000. Il y a un mec que je vois au cinéma, quoi. C'est Mousse Diouf. Tu vois, je veux dire, il n'y a pas de rôle. Pascal noir. Légitimus, voilà. Justement, on en parlera, mais. Il y a deux mecs que je vois, et que, en tout cas, un auquel je peux m'identifier, c'est Mousse Diouf, et je ne suis pas super fier, en fait. Paix à son âme, paix à ton âme, Mousse, parce que c'est l'homme que je respecte. Mais quand je le voyais en mode Julie Lescaut, keuf, excuse-moi Mousse, hein, bah, tu vois, mais c'était pas mon délire, quoi, tu vois. Après, c'était peut-être, justement, c'est, encore une fois, c'est les seuls rôles qu'on donnait au nom, tu penses justement c'est que... Pas, c'est pas péjoratif ce que je dis, c'est juste la représentation que ça me donne à moi, en fait. Et justement, comment t'expliques, parce que 30 films plus tard, on parlera de certains d'entre eux, mais comment t'expliques qu'il est plus difficile... Partout, d'ailleurs, dans le monde. Hein. T'as quand même Viola Davis qui avait fait un superbe discours, me semble-t-il, aux Golden Globes. Alors, sur les femmes noires, parce qu'en plus, quand t'es noire, mais que t'es une femme, c'est la, tu as double peine dans le cinéma, c'est compliqué. Comment tu expliques qu'il est aussi dur et difficile pour les noirs de faire du cinéma? Bon, en tout cas, d'être accepté dans le cinéma. C'est pas dur pour les noirs de faire du cinéma, mais dans le cinéma français, on donne toujours le rôle. Alors, ça change un peu, mais bon, globalement, c'est le rôle d'un vigile, d'un méchant, et souvent, le noir, il meurt au bout de 10 minutes. Comment t'expliques ça? Non, mais ça, c'est ancré dans l'inconscient, en fait, dans l'inconscient du lambda, quoi, qui domine un petit peu dans la sphère cinématographique ou audiovisuelle, en fait. On n'est pas pris au sérieux. On n'est pas pris au sérieux. On n'est pas considéré comme il faudrait qu'on soit considéré. Et on est souvent relaté à des rôles caricaturaux, quoi, en fait. Où c'est une caricature de nous-mêmes, quoi, en fait. Jamais on va s'imaginer qu'un mec comme moi peut s'appeler David et être médecin, quoi. Tu vois, on va plus le voir en tant que Mamadou, et en l'occurrence, je m'appelle Mamadou. Mamadou de Vitry qui fait du rap, voilà. Je suis désolé, Doudou. Ouais. Mais... En même temps, c'est moi, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est moi, tu vois, mais... Soyons. Non, mais évidemment, ayons de l'imaginaire, quoi. Soyons, tu vois. Et puis en plus, enfin, ouais, voilà, enfin, soyons objectifs, en fait. Puisque les David d'origine malienne, docteur, il y en a plein, en fait. C'est ça la réalité. Donc, comment t'expliques qu'il reste ce blocage? Mais il reste de blocage pas que dans le cinéma, en fait, dans l'absolu. Quand tu regardes bien, il n'y a que dans le sport où il n'y a pas de blocage pour le renouant, en fait. C'est pas faux. C'est vrai. Il y a du blocage partout, en vrai. Soyons francs, en fait. Moi, je m'en fous, c'est juste un constat. T'as vu, je suis pas en train de me plaindre, je suis pas en train de faire la victime, parce que j'en ai rien à foutre. Je rentre dans l'art de tout le monde, moi, en fait, tu vois. Mais dans la réalité des choses, c'est une réalité, quoi. On est mis au pan d'une société où on veut pas tout de suite nous laisser rentrer avec ou sans qualité, quoi. Tu vois, je veux dire, on regarde pas si t'as la qualité ou pas, on te juge déjà sous ton nom et ta couleur, quoi. Il y a un exemple qui est flagrant, c'est quand tu cherches un appart, quoi. On va te dire, mais non, pour les Renois, c'est normal, c'est comme tout le monde. Mais il y a des listes faites dans les agences immobilières où on dit, non, on veut pas de Renois, trucs qui sont implicites, on ne le montre pas, on le met sous la table et on dit que non, nous, on fait pas ça. Mais c'est la réalité. Bien sûr. Sous la table, c'est ce qui se passe. Et c'est pareil dans tous les milieux et dans tous les domaines. Est-ce que tu penses que la France devient de plus en plus réactionnaire, finalement? Je pense là notamment, tu vois, aux lois pour la sécurité globale, tu vois, entre autres, parce que finalement, ce que l'État propose, c'est aussi le reflet du traitement de l'information par certains médias, et c'est le reflet aussi d'une partie de ce que souhaitent les Français, tu vois. Je sais pas si c'est vraiment une partie de ce que souhaitent les Français, en fait. Je sais pas. Je crois que là, je crois que c'est l'État qui s'autorise des choses qui sont rétrogrades par rapport à la France, en fait. Tu vois, on parle d'un pays de liberté, d'un pays de droits de l'homme, d'un pays de des lumières, et on t'interdit de prendre la police en photo s'ils font des malversations. C'est bizarre, ça ressemble plus à une dictature qu'un pays de liberté et de choix de vivre, quoi, en fait. C'est pareil pour
la liberté d'expression, comme on peut dire, ou je sais plus comment on dit, ouais, c'est ça, la liberté d'expression. Sûr, c'est pareil, elle est à 2, 3, 4 vitesses. Je dirais 18 voilà, vitesses, tu vois, là. Je veux dire, ouais. T'es noir à consonance musulmane, ferme ta gueule, quoi, tu vois, je veux dire, t'as pas intérêt d'ouvrir ta gueule sur David Cohen, quoi, tu vois, je veux dire, on va te traiter d'antisémite. Mais par contre, à l'inverse, si un blanc de bonne famille se prend d'une idée de cracher sur la religion musulmane, on va lui dire c'est de la liberté d'expression, tu vois, et normal, quoi, sans que ça pose aucun problème à personne, quoi. C'est juste, à un moment donné, faut juste... Il y a un journaliste qui l'a très très bien dit, et qui l'a très très bien dit, c'est Jean-Michel Apathy. Oui, bien sûr, ouais. Jean-Michel Apathy. Je crois que c'était dans l'émission C'est dans l'air, me semble-t'il, mais... Super bien dit. Oui. Il dit, Zemmour, il a le droit d'être raciste et ça pose aucun problème, il a des jugements, il est toujours à l'antenne, il est toujours en train de déverser sa haine et sa colère sur les Noirs et les Arabes. Quand il y a un Dieudonné, et je suis pas là pour cautionner Dieudonné ou qui que ce soit, quand il y a un Dieudonné qui fait lui aussi son palabre, qui palabre et qui dit ce qu'il a envie de dire, ben lui on lui dit ferme ta gueule, t'as plus le droit de faire, t'as plus le droit de jouer, t'as plus le droit d'ouvrir ta gueule, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on autorise certaines personnes à dire plein de choses, à déverser leur haine sur un certain public, et on n'autorise pas d'autres personnes à déverser leur colère, la même haine sur un autre public. C'est tout. C'est un constat, quoi. Mmh. Tu vois, c'est pas être antisémite ou quoi, machin. Moi, je m'en fous. Je suis tolérant. J'aime tout le monde. Mais juste. Pour te connaître, en plus, je sais que t'es la personne la plus ouverte. Ouais, tu vois, j'ai aucun jugement. Aucun jugement. C'est juste, je regarde et je vois que. Quelles sont les solutions? Les solutions, c'est d'être un peu moins hypocrite, quoi. Mmh. De se regarder droit dans les yeux et de se dire un petit peu la vérité, quoi, tu vois. Mmh. Il y a des débats aujourd'hui où on dit oui, par exemple, il y a eu un gros débat sur Floyd, là, la mort, tout ça, et sur le débouling. Sur George Floyd. Qui s'est fait assassiner par exactement, et après, avec tous les débats que ça a suscité derrière, quand les gens ont voulu débouliner les plein de choses, quoi, en fait, et rendre un autre discours par rapport à plein d'éléments légendaires pour la France ou de monuments. Mmh. De monuments qui étaient importants pour la France. Mais on parlait de la statue de Colbert, en fait, en particulier, ouais, qui a été aussi... Si c'est important pour un public, ça l'est aussi pour un autre public qu'on ne veut pas entendre. Mmh. Alors les gens, pour se faire entendre, ils déboulonnent. Mmh. Mais si on écoute, en fait, le public, qu'est-ce qu'il veut? Il veut juste qu'on rectifie les dires sur cette personne, en fait. Mmh. On est en train de mettre des gens qui font partie de l'histoire, et il n'y a pas de problème, je ne veux pas les retirer, mais on les met en haut en mettant un discours qui est mensonger, en fait, ou en tout cas qui n'est pas complet. Qui n'est pas complet. Voilà. On dit souvent, il y a un documentaire dont je parle souvent, c'est celui de Pascal Blanchard sur la décolonisation, et le bouquin de Lilian Thuram sur la pensée blanche qui est formidable, et tous deux disent simplement qu'en fait, on n'écrit pas l'histoire avec une gomme, en fait, non. Et on ne tourne pas une page qui n'est pas écrite, et c'est ça le problème, c'est qu'en fait il ne s'agit pas de dénigrer à 100% Colbert ou De Gaulle voilà. Mais l'idée c'est quand même de contextualiser, de dire toute cette vérité. Tes enfants, tu leur dis quoi? En tout cas, en dire beaucoup plus et pas dire que des choses qui arrangent un certain public. Tes enfants, t'as deux filles, est-ce que t'as peur pour elles, et qu'est-ce que tu leur conseilles? Non, j'ai pas peur pour elles parce que je les prépare. Les gens qui ont tendance à dire oui, j'ai peur pour mes enfants, pour l'avenir, moi je prépare mes enfants à l'avenir. Je les prépare à être fortes, je les prépare à être prévoyantes, je les prépare à être créatives. Et après, bon bah, je croise les doigts pour que ça marche, quoi, tu vois. Après, la vie elle est dure, la vie elle a jamais été facile pour moi, on m'a jamais rien donné, je suis toujours en train de trimer, même jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Donc, je leur dis, mettez toutes les chances de votre côté pour pouvoir avoir une meilleure vie, quoi, tout simplement, quoi. Je les prépare à être... et je leur dis, armez-vous de diplômes, d'expériences, de choses pour que elles soient plus faciles par la suite, quoi. Mmh. C'est tout. Après, comment te dire? Les préparer face à quoi? Je suis pas tous les jours avec elles, je leur dis ce que moi j'ai vécu, j'essaie de leur expliquer ma vie, mais en même temps, elles auront la leur. Mmh. Ce sera pas forcément la mienne. Et dernièrement, je me suis aperçu que même ma fille, elle m'avait appris un truc que pour moi, j'étais loin de ça, quoi. Mes enfants, c'est les enfants de quelqu'un. Qui t'a appris quoi, en fait? Nubia m'a appris que,
que quand elle marche dans la rue, quand elle rencontre des nouvelles personnes, on lui dit, ouais, elle, c'est la fille d'un tel, quoi. Moi, j'ai pas eu ça dans ma vie, en fait. On ne disait pas, Doudou, c'est le fils de Draman, ou si, au bled, quand c'était un oncle ou machin. Mais elle, n'importe qui lui dit, ouais, elle, c'est la fille d'eux. Donc, ils n'ont pas la même vie que moi, en fait, déjà, à la base. Ils n'ont pas la même bataille que moi. Elles partent déjà. Voilà. Elles ont une longueur d'avance sur toi. C'est pas la même bataille. Ça veut dire qu'elles, quand elles arrivent, c'est déjà quelqu'un, quelque part. C'est des enfants de quelqu'un. Quelqu'un qui est censé être... Qui a un nom et qui peut ouvrir les portes. Voilà, exactement. Qui a un statut. Un vrai statut. Bon, en tout cas, toi, tu la joues pas trop lobby avec elle. Tu leur ouvres pas de porte. Tu les cravaches, je le sais. Ah ouais. Et preuve en est. Coucou papa, alors là, je sais que t'es surpris de me voir. Bon déjà, je te fais des gros bisous. J'espère que tout se passe bien. Je voulais te dire déjà un petit mot de la part de Maëva et moi. Comme quoi, on est très 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 fiers de toi. On est fiers de t'avoir comme papa. On est fiers de tout ce que tu nous as inculqué. On est fiers de toutes les armes que tu nous as données pour affronter la vie. C'est le cas de le dire. Au-delà d'être l'homme le plus drôle que l'on connaisse, qui nous fasse mourir de rire, et ça, on se sait, t'es aussi l'homme le plus fidèle à lui-même que je connaisse, vraiment. Tu vas toujours au bout des choses que t'entreprends, et ça, c'est une très, très grande fierté. Je pense pour toi, comme pour nous, tes filles, du coup. Et y a rien de mieux, je pense, qu'être admiré par ses enfants. Hein, et toi, c'est le cas. Nous, on t'admire et on est très reconnaissante de tout ce que tu as pu nous apporter. Donc voilà, c'était un message rempli d'amour, rempli de bisous. Et j'espère que ça va bien se passer. Plein de bisous. C'était Nubia. T'as fait l'intro. Waouh! Elle est Nubia belle, qui est fille, très elle est timide, elle est toi belle, qui est très pudique, voilà. Et elle me dit, mais il va halluciner parce que c'est pas du tout le style de la maison. Mais elle me dit, franchement, si je peux passer ce message à mon père, la part de Maëva aussi, super, je le fais avec plaisir. Super. Donc merci Nubia, merci, elle est à magnifique. Toi. Elle est belle ma fille, hein? elle est belle. J'adore. Qu'est-ce que tu aurais à lui répondre à Nubia? J'ai confiance. T'as fait tes devoirs? Tu sais. Non. J'ai confiance. C'est j'ai la confiance. J'ai super confiance. C'est une. Je suis vraiment gâté d'avoir des enfants comme ça. Après, bon, bah, il y a des aléas de la vie. C'est pas toujours rose. C'est pas toujours facile. L'éducation des enfants, c'est jamais facile. Mais j'ai de la chance. J'ai des enfants intelligents. J'ai des enfants que j'aime et qui m'aiment. Et qui me le rendent bien. Pas tout le temps, mais qui me le rendent bien. En général. Je préfère le dire comme ça. Le petit bémol, pas tout le temps, mais. Mais j'adore. Ça, c'est... franchement, je m'y attendais vraiment pas, et c'est très émouvant. C'est, puis ça me fait plaisir ce qu'elle a dit parce que ça me renvoie que mission accomplie, quoi. Tu vois, bon, c'est pas fini, hein. Tu vois, j'ai pas encore fini, mais j'ai l'impression que je fais du bon boulot, quoi. Tu vois. J'ai deux belles filles, elles sont intelligentes, elles sont belles, elles sont ambitieuses. Et je sais qu'elles iront loin, Et puis je les encourage à aller loin, à croire en leurs rêves et à tout faire pour y arriver. Ce qui est beau avec elle, par exemple, j'ai été en prise de tête parce que je lui ai dit une chose un jour, je lui ai dit, si moi un jour je veux pas que tu fasses ton rêve, mets-toi contre moi, quoi. Tu vois, si t'es sûr de ton rêve, tu dois être même capable de te battre contre moi. Ben, elle me l'a fait, la petite. Elle me l'a fait. Elle est venue sur moi, elle m'a dit, ouais, non, moi, je veux faire ça. Mais non, fais ça, non, je veux faire ça. Non, fais ça, non, mais non. Non, je veux faire ça. Tu m'as dit un jour, il faut que je me batte, et même si c'est toi, vas-y, okay. Vas-y, roule. Et elle va tout déchirer, j'en suis sûr. Ah ouais, d'accord. En tout cas, ce sont des bosseuses, que ce soit. Voilà, tu leur as enseigné ça et toi, t'es un véritable bosseur. Parce que tu cumules les films, certes, mais t'as toujours sécurisé, t'as toujours fait des choses à côté. Et en parallèle, tu es coach sportif. C'est quand même une grosse partie de ta vie. Je voudrais quand même qu'on regarde une petite vidéo. On en regarde une première et puis après, on en regarde une première. Soit t'as rétréci, soit tu... Bruce Lee contre la fureur du dragon. Donc là, t'es en train d'entraîner un basketteur et pas des moindres.
Rudy Gobert. Rudy Gobert. Ouais, ouais. Et donc là, tu le coachais en fait en salle, c'est ça? Raconte-nous, parle-nous un petit peu de cette histoire de. Bah, en fait, j'ai connu. De coaching dans l'absolu en fait, parce que bon là, tu coaches des gens connus, mais tu coaches des gens moins connus. Ouais, et parle-nous de cette partie de ta vie qui est quand même hyper importante. Ouais, qui a une grande place aujourd'hui dans ma vie. En fait, moi, j'ai toujours eu l'âme d'un sportif. Mm-hmm. C'est-à-dire que depuis que je suis môme, j'ai toujours fait du sport. J'ai fait 10 ans de foot, je sais plus, 6-7 ans de boxe, 2 ans de boxe américaine, 4 ans de boxe anglaise au départ, quand j'étais môme, quoi, tu vois, jusqu'à 16, 17, 20 ans, tu vois. Et après, j'ai commencé à faire du rap et à m'écarter un petit peu du sport tout en gardant toujours une hygiène de vie. Une hygiène de vie pour pouvoir gérer mes scènes, quoi, en fait. Et à un moment donné, vers 28, j'ai voulu reprendre mon sport d'antan, quoi, ma boxe, un vrai nettoyage, en fait. Mm-hmm. J'ai voulu passer par un espèce de nettoyage. Alors, j'ai rencontré un gars qui s'appelle Éric Lavigne et qui m'a remis dans le sport, qui, à l'époque, c'était du grappling. Mm-hmm. Et c'était le grappling dans l'intention de devenir le MMA, en fait, tu vois. Et lui, c'était un mec qui avait appris avec la famille Grassi au Brésil. C'est l'un des premiers instructeurs de grappling en France. Et je me suis pris de passion pour ce sport, quoi. Mais il y a une quinzaine d'années, on va dire, un truc comme ça, tu vois. Et je me suis mis à fond là-dedans, quoi. À fond. De 30 ans jusqu'à 36 ans, j'ai été à bloc là-dedans. J'en faisais tous les jours, j'y allais tout le temps et tout. Jusqu'à un moment donné, j'ai une rupture des ligaments. Et croisé, et donc j'arrête, et là, je sais plus quoi faire comme sport, et je me remets à la boxe, à mes premières passions, enfin, je refais de la boxe, et à chaque fois que je vais aux entraînements, je m'entraîne, les gens me disent, mais tu fais de la boxe piquant, et tout, non, je viens de reprendre, et tout, mais putain, tu boxes bien, tout ça, là, ok, je continue, les années sans fil, je fais des films, quand je fais des films, j'arrive sur les trucs, je suis toujours bien affûté, les gens me disent, putain, mais t'es coach sportif? Non. Ah putain, tu viens de me donner une idée. Tu devrais l'être, parce que franchement, tu l'aurais été, je serais venu te voir. Ah bon? Alors premier, je laisse glisser. Deuxième, il me dit la même chose. Je dis, attends, il y a de l'oseille à se faire, là. Il y a un truc à faire, là. Tiens, ouais, tu m'imagines. Bah ouais, hop, et direct, là, je me renseigne, je vois les trucs, et je me mets, je me dis, bon, autant allier un truc que j'aime. En fait, moi, j'aime vivre de ma passion, de mes passions. Mm-hmm. Et dans ma vie, ça a toujours été comme ça, en fait. Je suis animé que par des choses que j'aime, en fait. Mmh. Si je fais un truc que j'aime pas, je vais pas le faire très longtemps. Tu fais des trucs chelous quand même aussi, parce que moi je me suis renseignée, parce que je voulais prendre des cours. Mais là, ça ressemble chelous. Plus à. T'es en mode arbre à chat, mon frère. C'est quoi ce titre? Attends, ça c'était un nouveau. Mais c'est quoi ça? C'est un game, ça. C'est un jeu, ça. C'est la boule, the bull. C'est quoi cette stratégie? Ben, en fait, c'est les Russes qui ont inventé ça. Ils accrochent un élastique à une balle de Mais moi, je m'éborgne tout de suite. On est bien d'accord que les gens normaux. C'est pas évident. C'est pas évident. Mais c'est pour améliorer ta dextérité, ta vitesse, ton coup d'œil. Enfin, bref. Ouais. Ok. Non, ça nous a fait bien marrer. Surtout Julien Maguarou, mon réalisateur qui lui est. Mais il a volé l'arbre à chat de. Ah, il est bon. Il est pas mal. Bon, le doudou. Il demande combien pour ce genre de cours? Ah, c'est pas bien. C'est petit. Petit bras. C'est petit. Madame. En petit plus, madame. On va diffuser, tu sais ça. Mais là, c'était au Noblard. Là. C'est quand j'étais avec Shadow. Ouais. Big up à toi, Shadow. Amine et Vagram, au Noblard. Ouais. Vagram. Jeanne Rose et Isa. Mais maintenant, je suis dans un autre club qui s'appelle Boumaillé. Ouais. Qui est à Saint-Maur-Créteil. Très symbolique. Ouais. Avec Elijah Bokeli, big up, mon gars sûr, Elijah. Alors, on est ensemble. C'est marrant parce que c'est pas de la schizophrénie, mais ça pourrait s'assimiler à de la schizophrénie, mais c'est aussi un sujet qui est important pour toi. T'es sur le grand écran, et pour de vrai, donc à la télé, mais sur des séries, Netflix, au cinéma. Et d'un seul coup, t'es coach sportif. Ça peut paraître paradoxal, et en même temps, c'est à l'image déjà de ton envie de sécurité, ton envie de faire plein de choses différentes, mais c'est aussi certainement le résultat de la vie d'artiste, en fait, qui fait que, comme je disais, t'as besoin de sécuriser, et je t'entendais dire souvent,
Non mais les gens ils sont complètement dingues parce qu'ils t'ont vu à la télé, ils te pensent millionnaire, ils te croient milliardaire d'un seul coup, fast life, et toi t'es père, responsable, et tu le dis depuis toujours, t'avais besoin de sécuriser aussi, donc est-ce que c'est pour ça aussi que t'assumes complètement le fait de, bah, d'être coach quoi, à côté aussi, au-delà de la passion? Bien parce sûr. Parce que être au cinéma ça veut pas dire être millionnaire, c'est important aussi de dire quoi. Complètement, alors là c'est très très bien de le dire parce que les gens ont tendance à penser que tu fais un film, deux, machin, t'as touché des millions de dollars. Non, je ne suis pas le héros des films dans lesquels je joue. Je ne m'appelle pas Depardieu. Hein. Mmh. Donc, je ne prends pas 300 000 par film, voire plus, et ainsi de suite. Mmh. Alors, il se trouve qu'il y a des années où je fais 3-4 films par an. Ouais, c'est cool. Là, pour le coup, je pourrais ne pas travailler, faire que ça. Mais il n'y a rien qui m'assure que je vais faire mes 3-4 films par an, tous les ans, en fait. Tu vois? Et quand je les fais pas, qu'est-ce que je fais, en fait? Je me transforme en Annie Girardot et je pleure, et je fais ma victime. Bah, moi, je suis pas comme ça, quoi. J'ai pas envie de finir en artiste de bohème à me dire, putain, non, j'attends mon rôle, truc, machin, et je dépéris parce que tellement j'attends, en fait, tu vois? Moi, il y a aussi le fait de se maintenir en vie, de se sentir en vie, de se sentir pas esclave d'un truc, en fait. Mm-hmm. Parce que c'est ça, quand t'es comédien, t'es dépendant. T'es en fait, dépendant d'un truc, voilà. Les gens t'appellent, t'es dépendant des producteurs, des réalisateurs. Imagine-toi quand tu tournes pas et qu'on te propose un business de merde et que c'est le seul que t'as dans l'année. Mm. Si tu ne fais rien d'autre, tu vas l'accepter. Tu vas accepter et tu vas cramer ta carrière de. Bah ouais. Ben moi, j'ai toujours voulu faire les choses qui m'intéressent vraiment et ne pas être obligé de faire des choses que j'aime pas, quoi, et qui seraient pas dans mon éthique, tu vois. Et j'ai envie de rajouter aussi, c'est, tu vois, tu me disais, ouais, je change pas, tout ça, machin, j'ai toujours la même bouille, tout, machin. Mais je crois que c'est aussi ça, aussi. C'est la bonne humeur, c'est ce que je fais dans ma vie. C'est l'accomplissement. Je me lève le matin, je suis pas énervé, moi. Je suis pas vénère d'aller, même si je vais à 7h du matin coacher quelqu'un, je suis pas énervé. Je suis content. Je prends un sac, je mets des affaires de sport, je vais le coacher, après je m'entraîne. Des fois, je me dis, c'est cool que j'aille le coacher aussitôt, parce que je me serais jamais levé aussitôt, en fait, pour aller m'entraîner. Donc, non, moi, je vois tout ça comme un supplément qui bonifie mon accomplissement, en fait. Voilà. Bon, Doudou Masta, disponible en coaching. Arbre à chat, c'est lourd. Ça s'appelle pas un arbre à chat. Si, c'est Julien qui l'a dit. Arbre à chat. C'est lui aussi, il fait de la boxe. Ça se voit? Là, le résultat. Ah ouais, non, ça se voit. Ça se voit bien, même. Je voudrais pas l'affronter, le gars. Il se fait boxer, c'est pas pareil. C'est ça. Rapidement, parce que l'heure tourne, revenir sur ton actualité, on peut te retrouver dans La Révolution sur Netflix actuellement, Une revanche à prendre en 2021, là il y a eu la saison 3 des Rivières Pourpres, ouais. Ottoman aussi en 2021, mais un truc qui est hyper important pour toi, encore une fois, je pense que c'est aussi cette histoire de ne pas être dépendant, et en fait, tu depuis Public Enemy Public, t'avais envie de ça, c'est d'écrire, de réaliser, et donc là, t'as un projet qui est un projet qui te tient à cœur, et qui nous tient d'ailleurs tous à cœur, qui est en fait, un film autour de Rude Lion, donc il y a... T'as vu, j'ai retiré la casquette pour le coup, là, j'ai dit là, je savais qu'on allait traiter de ce sujet-là. Tu sais que c'est moi qui ai pris cette photo, quand même. Ça, c'est moi qui ai pris cette photo, quand même. Mais c'est à Bougotop, dingue. Non, c'est où? Non, c'est pas ça, à Bougotop. Non, c'était chez moi, en fait, il y a très 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 longtemps. À Saint-Ouen? Non, mais là, on va pas raconter ma vie, mon frère. Non, mais... Tu te vois, c'est plus là-bas. Je sais où c'était. Je vois très bien. C'était au quatre chemins. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Tu vois, j'allais le dire. Et tu me dis, on va pas raconter ma vie. J'allais le dire en plus. Tu sais quoi? C'était au quatre chemins. Petite parenthèse. Là-bas, qu'est-ce que j'ai bouffé, putain? Oh là là, comme ça, la Jus, c'est une grande cuisinière. Merci. Elle fait des plats. Merci. Oh là 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 là. Merci. Non mais personne ne veut me croire en fait. Dès qu'il y a déconfinement, faut tous la solliciter pour qu'elle fasse un dîner chez elle, quoi. C'est vraiment. Vrai. Et quelle cuisine, quoi. Ouais, non. Oh là là là. Tu l'as connue toi aussi?
Non. Il se moque de moi, parce qu'il ne me croit pas. Personne ne me croit. Quand je dis que je fais la cuisine, les gens ne me croient pas. Mais tant pis pour vous, c'est pas grave. Donc, Rude Lion, que l'on voit en photo, qui était un peu notre Tupac français, producteur, rappeur, chanteur, compositeur, et puis qui avait une sérieuse vie, bah voilà, dans la rue, qui était aussi, un voyou, mais qui était une sommité et une vraie légende urbaine pour le coup, qui est décédé maintenant il y a 22 ans. 22 ans. Et qui a fait l'objet d'un bouquin qui s'appelle Le Rugissant. Il y a 21 ans. 21 ans, c'est ça, hein, voilà. Le Rugissant de Raphaël Malkin. Et donc, tu as décidé, toi, eh bien, d'adapter son histoire et puis Le Rugissant au cinéma. En fait, alors, c'est que j'ai travaillé avec Raphaël sur le bouquin. Et avec Jérôme aussi, entre autres. J'ai mis en relation Raphaël avec un bon nombre de personnes pour témoigner sur la vie de Rude Lion et pour pouvoir en écrire ce document. Mm-hmm. Et j'avais comme condition sine qua non avec Raphaël de, si je t'aide, tu m'autorises à chercher des gens derrière pour en faire un film. Quoi. Mm. Parce que ça a toujours été un souhait de ma part de faire un film de la vie de Kemar. Kemar, ça a été mon mentor pendant toute ma jeunesse, quoi, en fait, pendant toute mon ascension du début du rap. Et c'est lui aussi qui a beaucoup assuré ma sécurité quand j'étais plus jeune. Il a assuré notre sécurité à tous, je dois dire. Vis-à-vis de plein de groupes qui étaient un petit peu jaloux et qui voulaient me faire. Qui voulaient me faire la peau. Donc il a beaucoup été là comme un grand frère, voire plus que ça. Et j'avais vraiment envie de lui rendre cet hommage, quoi. Et là, on a trouvé des gens qui ont adhéré au projet, qui ont aimé cette histoire, qui ont compris cette histoire, et qui vont nous aider à aller jusqu'au bout de cette aventure et d'emmener Le Rugissant, la vie de Rude Lion. Au cinéma, peut-être pas au cinéma, plutôt à la télé, en mode série. Mais qu'on va porter à l'écran. En tout cas, voilà. J'espère le plus loin possible parce que cet homme était formidable et mérite. Je suis très ému quand j'en parle, en fait. J'en ai la chair de poule parce que c'est vraiment un souhait que j'ai depuis très longtemps. Très longtemps. Je sais pas si je t'en avais parlé à l'époque. J'ai vraiment envie de lui rendre il y a des gens en fait qui n'ont pas voulu participer. Je dis ça, je vais partir un petit peu dans toutes mes idées. Il y a des gens qui n'ont pas voulu participer en disant que Marc n'était pas un exemple, c'était pas quelqu'un de bon, c'était pas quelqu'un de gentil, tout ça. Moi, je crois que dans la vie, il y a pas de bons et de mauvais exemples. Il y a des exemples à suivre ou à ne pas suivre. Et les exemples à suivre sont bons à voir et les exemples à ne pas suivre sont bons aussi à voir. Et puis on peut être les deux aussi en même temps. On peut être, c'est ce que j'allais y venir. Et puis on peut être un composite des deux, en fait. Pourquoi on n'est pas à suivre? Parce qu'on a un comportement qui laisse à désirer, mais on peut être à suivre parce qu'on a un autre comportement qui, lui, est très altruiste, très généreux, très inspirant, très beau, très... très inspirant. J'ai pas d'autres mots, quoi. Donc voilà. Et je sais que ça va parler à beaucoup de gens. Je sais que on va pas en faire une ode exemplaire pour faire la promo de la voyoucratie ou pour faire la promo de la violence. C'est pas ça le but. C'est de raconter l'histoire d'une personne, sa complexité, dans la complexité de ce personnage et pourquoi à cette époque-là ce genre de personnage pouvait exister. Parce que cette complexité, elle est née aussi d'une résultante de là où on vit, de comment on vit, de comment on est perçu, comment on, le regard extérieur joue à son importance dans tout ça. Voilà. J'y ajouterais que le rap, ne serait-ce que le rap qui était à l'image, évidemment, encore aujourd'hui, mais à l'image de ce qu'était la rue, ou ce qu'est une certaine forme, un certain visage des banlieues, parce que ça n'est pas que ça non plus, la banlieue parisienne, en l'occurrence. Mais lui, il était le pur produit de ça. Il était extrême,
dans les deux sens. Quand il donnait de l'amour, il en donnait à l'extrême. Et c'est vrai que quand il était exaspéré par le manque de loyauté, par l'ingratitude et par des comportements qu'on retrouve souvent d'ailleurs dans le showbiz, c'est vrai que lui avait tendance à régler les gens d'une façon un peu extrême. Mais je suis quand même tentée de me dire qu'il nous manque beaucoup. Moi, et que parfois, certaines personnes se comportent... d'une certaine façon et qu'il ne l'aurait jamais fait s'il était devant Good Lion. Donc c'est vrai que il nous manque quand même beaucoup à certains endroits. Des fois, beaucoup moins à d'autres, finalement, du coup. Tu sais, des fois. Ça leur permet de faire n'importe quoi, tu vois. Tu sais, il y avait une publicité à l'époque où tu buvais une boisson, là, il y avait un mec qui arrivait, il giflait le mec et il partait, tu vois. Je sais plus c'est quoi la c'était publicité. C'était un peu ça, ouais, mais ça, c'est... Tu vois. Que marre, j'aimerais bien que des fois ça puisse être possible, ça. Ouais. Tu vois, tu ouvres une boisson. Si que marre, il arrive, bah, il gifle le mec et il repart. Tu vois, voilà. J'aimerais trop ça, tu vois, parce que. Parce que lui, il était capable de ça quand même pour nous. Oui, mais une vraie vérité, une vraie sincérité, une vraie honnêteté, quoi, tu vois. Voilà. Il était honnête. Dans ce monde d'hypocrite, quoi. Exactement. Tu vois. Voilà. En tout cas, il nous manque. Le bouquin est disponible, rugissant. Bouquin formidable, voilà, biographique. Et puis. Un big up à Jérôme. Oui, un énorme big up à Jérôme, son petit frère, je l'ai cité tout à l'heure. Le film cinéma ou série, peu importe, mais qui arrive bientôt. Et Yanis. Et Yanis, bien sûr. Autant pour moi. Bien sûr, Yanis, évidemment. Ouais. Bien sûr. Et une énorme pensée pour Annick, au passage. Ouais, exactement. Paix à son âme. Pour terminer, l'Afrique aussi. Parce que t'as envie, donc t'as des envies d'écriture un peu partout, mais t'as aussi envie de tourner sur le continent. T'as longtemps, là où c'est la mode d'aller sur le continent, tout le monde va sur le continent maintenant. Toi, je t'ai connu, ça fait il y a des années que tu... Là, tu y vas un petit peu moins, mais il y a des années, t'allais tout le temps en Afrique et t'as des envies de tourner sur le continent. Bien sûr, bien sûr. Je vois que le cinéma africain se développe, je vois que les réalisateurs africains se développent, je vois que le marché du cinéma africain se développe. Et c'est peut-être une chance pour des gens comme moi qui se sentent un petit peu lésés, de pouvoir justement exploiter ce nouvel horizon, cette nouvelle porte, pour pouvoir justement jouir un peu plus de nos talents, quoi, en fait, tout simplement. Là, et en faire profiter l'Afrique par ailleurs. Exactement, en faire profiter l'Afrique ou le monde. Mm-hmm. Pourquoi juste s'arrêter à l'Afrique ? Non, je te parlais des acteurs, des comédiens. Bien sûr, mais etc., que ça s'exporte au monde, quoi. Qu'on montre nos talents aussi au monde, au même titre que la France, que les États-Unis, que le Brésil, bien tu sûr. Vois, tous ces continents-là, quoi. Tous ces pays, l'Inde et ainsi de suite, quoi. Je crois que. On a besoin de ça, on a besoin de représentations un peu plus africaines dans l'audiovisuel, tout simplement, parce qu'on est de plus en plus, on est une diaspora de plus en plus nombreuse, et on se sent de moins en moins représenté dans les différentes diasporas dans lesquelles on est, quoi, en fait. On ne se voit pas, ou pas assez, ou trop peu. Donc créons nos trucs, quoi, en fait. Arrêtons de quémander derrière les uns et les autres, arrêtons d'attendre que les gens nous donnent, en fait. Parce qu'ils ne nous donneront pas, ou en tout cas jamais, ce qu'on voudra, en fait, vraiment. Donc, on a ça chez nous, faisons-le, développons-le, et faisons en sorte que de devenir quelque chose qui compte, quoi. Et c'est là, elle est là, mon envie, en fait, de retourner en Afrique pour faire des projets qui comptent. Alors, c'est pas forcément qu'avec des Africains. Faire des projets en Afrique, avec le monde, quoi. Avec l'Europe, avec les États-Unis, et l'exporter partout, quoi. Pas se renfermer juste à l'Afrique. Bien c'est sûr. Ouvrir l'Afrique au monde. Et faire des ponts. Voilà. Et faire des ponts, voilà. Vraiment. En attendant, on te retrouve dans La Révolution, la saison 3 de Rivière Pourpre. Une revanche à prendre en 2021. Atoman aussi en 2021. Et puis, il y a encore d'autres surprises. On te connaît, Doudou. On sait que tu ne chômes pas. Si vous voulez le revoir avant, ou en vrai, et pas derrière vos écrans, cours de coaching. Vous pouvez y aller si vous êtes sur Paris. Écoute, on a un rituel dans les gens urbaines. Tu sais qu'on est suivi dans le monde entier. Ouais. Vraiment. Quel serait le message universel que tu aurais à passer à toutes les personnes qui nous suivent ? Dans ces temps de Covid-19, soyons forts, soyons humains. Et ayons du courage pour les gens qui ont perdu des proches.
et soyons vraiment solidaires entre nous, quoi, en fait. C'est vraiment, c'est des périodes comme ça où on doit se réunir et comprendre l'essentiel, en fait. Voilà, je dis ça, je ne suis pas le premier bon exemple, en fait, dans l'absolu. Je le dis, c'est des bonnes paroles, mais moi-même, est-ce que je les exécute en vrai, dans l'absolu? Pas forcément. Donc, voilà. Ok, prenez soin de vous et des autres. Ouais. Voilà, c'est important. Et souvenez-vous de vos proches. C'est pas toi qui disais on pleure nos morts, on ignore nos vivants? Mais complètement. C'est pas une chanson de toi, par hasard? Complètement, complètement. Voilà. Et c'est tellement vrai. Ouais. C'est tellement vrai. Mm-hmm. Parce que généralement, on a du mal avec les vivants à être franc, à être gentil, à être serviable, social, présent. Et quand les gens sont plus là, on regrette, en fait. Mm-hmm. Mais moi, le premier, en fait, hein, dans l'absolu. Je suis pas en train de dire oui, les autres, les machins. Moi, le premier, en fait. Hein. On a des griefs avec certaines personnes, on veut pas les régler. Quand elles sont pas, quand elles partent, on se dit putain, merde. Eh ben, faisons un mea culpa un petit peu, tu vois, je veux dire. Introspection et essayons de travailler sur nous-mêmes. Et moi, le premier. Aimons-nous vivants. Magnifique message. Je t'aime, mon frère. Voilà, je te le dis. Vous les cassos derrière, je vous aime pas, ok? Cyril, je t'aime. T'es une non, gueule. Non, moi. Tout pour Cyril. Anyway, la famille, vous connaissez. Merci beaucoup, merci beaucoup, toi, Doudou. Merci. La famille, vous connaissez la chanson. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Allez vous connecter sur le YouTube de Légendes Urbaines, la chaîne YouTube. Abonnez-vous pour voir l'émission en intégralité. Et puis en attendant de se retrouver bien la semaine prochaine, je dis paix, amour, lumière sur vous. One love, la famille. One love, Doudou. One love, la juge.